Victor, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ce sont les aléas du direct. C'est ça. Nous allons reprendre tout de suite. Victor, est-ce que tu souhaites qu'on alterne? C'est-à-dire? Que je commence. Ah oui, je t'en prie. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais proposer un moment de méditation. Trouvez un endroit calme où vous pourrez vous asseoir et méditer sans distraction. Que ce soit une chaise, un canapé, en tailleur ou directement sur le sol. Choisissez la position la plus confortable pour vous. Fermez les yeux et prenez trois profondes respirations. Inspirez par le nez, gonflez le ventre, puis expirez. Posez votre attention sur vos sensations. Le contact de votre corps avec la chaise, le canapé ou le sol. La position de vos mains, de vos jambes. Détendez-vous. Continuez à respirer lentement et comptez jusqu'à 4 à chaque fois que vous inspirez. Et faites de même après chaque expiration. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. J'inspire. J'expire.
Concentrez-vous sur votre respiration et suivez l'air qui pénètre dans vos narines. L'air qui circule jusqu'au bas du ventre, en traversant une grande partie de votre corps. Dans un sens, et puis dans l'autre. Cet air si précieux qui nourrit en oxygène chacune de vos cellules. Cet air si vital qui purifie le corps. J'inspire, 1, 2, 3, 4. J'expire, 1, 2, 3, 4. Concentrez-vous sur l'air qui entre par vos narines et visualisez son trajet jusqu'aux poumons. Ressentez les mouvements de votre cage thoracique et de votre ventre. Si les pensées commencent à arriver, ne les jugez pas. Observez-les simplement et laissez-les passer. Puis redirigez votre attention sur votre respiration. J'inspire, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4. En apprenant à se recentrer sur notre respiration, sur les sensations de notre corps, nous apprenons à nous détacher des sensations d'anxiété, de peur ou de colère. Retournez à votre respiration. J'inspire, 1, 2, 3. 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. En focalisant votre attention sur le moment présent, vous pouvez goûter au calme intérieur et retrouver une tranquillité apaisante. J'inspire. 1, 2. 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4.
Ne vous découragez pas en pensant que c'est difficile. À chaque fois que votre esprit commence à s'échapper, revenez à votre respiration avec calme et sérénité. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3. Ne vous découragez pas en pensant que c'est difficile. À chaque fois que votre esprit commence à s'échapper, revenez à votre respiration avec calme et sérénité. À présent, je vous invite à revenir à votre rythme dans la salle dans laquelle vous vous trouvez. Cela peut passer par des mouvements des doigts, des orteils, des lèvres, des sourcils. Vous pouvez avoir envie de bâiller ou de vous étirer. Et à votre rythme, ouvrir tranquillement les yeux afin de revenir ici et maintenant. Belle journée à tous et à toutes. Rebonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un tapis au sol. Dans le moment tampon entre la méditation de Mathieu et l'éveil musculaire que nous allons maintenant faire ensemble pendant 10 petites minutes, je vais vous demander de vérifier que votre espace au sol est disponible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objets qui vont entraver vos mouvements. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas bouger violemment ce matin. On va s'éveiller. Mais c'est important de pouvoir bouger en sécurité. C'est fait ? Super. Alors, on va se rejoindre sur le tapis. L'objectif, c'est que vous fassiez avec moi les exercices que l'on va dérouler, et pas uniquement que vous me regardiez. Donc, il va y avoir énormément de coaching sonore, puisque à certains moments, vous ne pourrez pas regarder votre écran. C'est normal. C'est parti. Alors, premier exercice ce matin, je vais vous demander de vous grandir sur votre tapis, de contracter les fessiers, d'avoir le buste fier, les épaules vers l'arrière et le regard légèrement vers le haut. Puis de lever les bras au ciel. On prend une grande inspiration. Et de cette position très grande, très élancée, on va relâcher les bras vers l'avant. Puis la nuque. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus agréable. Puis vertèbre après vertèbre, en commençant par les cervicales, on va descendre vers le sol. Vertèbre après vertèbre. Vous allez essayer autant que possible de garder les jambes tendues. Et inexorablement, vos bras vont rejoindre le sol. Alors, certaines et certains vont peut-être se rester bloqués ici. D'autres, au contraire, qui ont beaucoup plus de flexibilité, vont pouvoir descendre. Chacun, naturellement, lorsqu'il ne peut plus descendre, s'arrête. Et ensemble, on va compter 15 secondes. 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Et on remonte doucement, vertèbre après vertèbre. Jusqu'à revenir doucement à sa station debout. Puis on remet les bras vers le haut. Le buste fier, les fessiers serrés. On expire. On inspire. On expire à nouveau. On redescend les bras. Et on est reparti. Vertèbre après vertèbre. Et ce deuxième passage devrait être beaucoup plus simple que le précédent. Si vous le pouvez, mettez vos mains au sol en gardant les jambes tendues. Éventuellement, s'il y a des personnes qui sont très flexibles ce matin, mettez les coudes au sol. Vous voyez que ce n'est pas mon cas. Et on garde cette position. Essayez de relâcher le bas de votre dos. Normalement, vous avez gagné quelques centimètres au sol ou vers le sol par rapport au passage précédent. C'est normal si vous avez de la tension à l'arrière des cuisses ou à l'arrière des mollets. Et on va remonter doucement. Très bien. Et on se sent déjà beaucoup mieux. Prochaine position. On va se mettre à quatre pattes sur le tapis. Les épaules au-dessus des poignets. Donc, comme ceci, ça serait trop en avant. Comme ceci, trop en arrière. Les épaules juste au-dessus des poignets. Très bien. Votre regard va être entre vos deux mains. Et à partir de cette position, comme un chat qui viendrait s'étirer, on va grandir, étirer le dos au maximum. Votre regard peut aller vers vos genoux. En gardant les bras tendus, on relâche doucement. Et là, on va venir creuser le dos au maximum et votre regard part vers l'avant. Et on relâche la position, on revient à cette position de dos neutre et on repousse à nouveau. Vous voyez, je prends des grandes inspirations, je vous invite à faire la même chose. On revient en position neutre et on creuse le dos à nouveau. On va encore faire ces passages quatre fois. On revient dans la position neutre et on va relâcher. On va relâcher doucement cette position. Alors, pour que vous compreniez pourquoi on fait ça, cette position, elle a deux vertus. La première, c'est qu'elle va venir rapprocher et écarter vos omoplates ou scapulaires. La deuxième, c'est qu'elle va venir mobiliser votre carré des lombes et vos lombaires qui sont très sollicités dans ces journées où on passe 8 heures, 10 heures, 12 heures, voire plus. Assise ou assis. Prochaine position. On va venir écarter les jambes un peu plus que ce que l'on peut faire naturellement. Donc ça, c'est un écart naturel, vous voyez. Je peux le soutenir sans problème. Là, je vais mettre une jambe vers l'extérieur, l'autre jambe vers l'extérieur. Voilà, je peux m'aider des mains. Et vous voyez que mes orteils pointent vers moi. Ici et ici. C'est ce que l'on souhaite.
Si vous avez les orteils qui pointent vers l'extérieur, pas bon. Très bien. On va se grandir dans cette position. Alors, naturellement, peut-être que certaines sont comme ça, d'autres sont déjà en grand écart. Bravo. Et de cette position, on va aller dans le plan frontal, vers l'avant. On commence par se grandir et amener le bassin vers l'avant. Ensuite, on relâche les épaules qui tombent vers le sol. Et en dernier, on va mettre ses doigts au sol et on va progresser ensemble vers l'avant. Autant qu'on peut. Et lorsque l'on ne peut plus, on va compter 15 secondes dans sa tête. Et vous allez sentir, seconde après seconde, que votre dos, vos épaules se relâchent et qu'il sera bientôt possible de gagner encore quelques centimètres. Si vous ressentez beaucoup de tension à l'arrière des cuisses, c'est normal. Et on avance à nouveau, centimètre après centimètre. Ah, vous voyez, on peut gagner un peu de distance. Très bien. Et lorsqu'on ne peut plus avancer à nouveau, on compte 15 secondes. Super. On va relâcher doucement la position en laissant glisser ses mains et en mettant son bassin vers l'arrière. Très bien. Si ça tire trop, vous pouvez relâcher un petit peu vos jambes, quelques secondes, et vous remettre en place. On l'a fait donc dans le plan frontal. On va maintenant tourner complètement son corps et ses épaules vers le pied droit. Je commence à pousser mon bassin. Puis les épaules vont vers le sol. Puis mes deux mains, de part et d'autre de ma jambe droite, on va aller le plus loin possible. Alors certaines et certains vont pouvoir attraper leurs pieds. D'autres, vous allez simplement garder les mains au sol. Et on va le plus loin possible. Quand on ne peut plus avancer, à nouveau, 15 secondes. Vous avez normalement senti votre jambe droite se relâcher et vous pouvez donc grappiller quelques centimètres en plus. C'est ce que je vous invite à faire. Et on tient 15 secondes. Et on va revenir doucement. Doucement. Très bien, le buste est fier. Vous pouvez relâcher vos jambes un instant. Si vous avez besoin de secouer vos ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses, n'hésitez pas. On se remet en position pour un dernier passage. Vous vous en doutez, on va aller vers la gauche. Alors, vers la gauche, hop. Et centimètre après centimètre, j'avance, je baisse mon buste. Et lorsque je ne peux plus avancer, je maintiens 15 secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces 15 secondes ? Rien de magique, c'est simplement vos muscles qui se relâchent, qui s'habituent à une tension qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Et au bout de ces 15 secondes, puisque vos muscles se sont relâchés, on gagne en mobilité, c'est-à-dire en souplesse et en force, et on peut aller chercher encore un peu plus loin. C'est ce que je vous invite à faire pour ce dernier passage et ce dernier exercice de réveil.
On relâche doucement. Doucement, 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 doucement. Et notre position finale ce matin va être la position de l'enfant. Donc vous allez vous relever, vous asseoir sur vos talons ou en tout cas aussi proche que possible de vos talons. Et à partir de là, je fais tomber mon buste vers l'avant. Je pose mes mains proches de mes pieds et je viens mettre la tête au sol. C'est une position qui est très confortable. Et je vais attendre 30 secondes et j'en profite. Alors, si certaines et certains n'arrivent pas encore à mettre contact entre leur tête et le tapis, on peut garder une main devant et se servir des coudes comme support. On est à la moitié. Cette position de l'enfant, je vous invite à la faire à chaque fois que vous avez mal dans le bas du dos, puisque c'est une position qui vient relaxer toute la colonne vertébrale. Vous allez quitter doucement la position. Respirez et votre corps est éveillé. Félicitations à toutes et à tous pour cette première séance. Et je vous invite à revenir chaque matin. Chaque matin, on fera des positions d'éveil différentes, de plus en plus évoluées aussi, puisque l'idée, c'est que l'on progresse ensemble, matin après matin. Merci. Merci à tous pour votre présence. Vous êtes les premiers spectateurs du Good Morning Sunshine qui aura lieu donc tous les matins à 8h30, tous les matins de semaine à 8h30 avec des vidéos inspirantes, du réveil musculaire, des moments de centrage, des moments de poésie aussi. Plein de petites surprises. N'hésitez pas à revenir vers nous avec vos feedbacks. Tous les feedbacks sont bienvenus. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voudriez voir, ce que vous ne voulez plus voir. On vous souhaite une excellente journée. Force et honneur. Et à demain. À demain tout le monde. Belle journée.